Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Hier, je suis allée voir l'appartement de mon fils et il a eu ses clés hier, donc c'est cool. Et franchement, il est super bien. Un salon qui est agréable, une grande chambre, une terrasse. Il a une grande terrasse, donc il peut manger dehors s'il veut. Il est très bien et en plus, il est dans un bâtiment assez tranquille, donc c'est cool. Donc, je suis très contente pour lui, j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai reçu. Je vous avais dit que j'avais commandé des éponges lavables. Donc je viens de voir, je pense. J'en ai acheté 10. Et du coup, bah, je vais en donner à mon fils. 5 à mon fils et je vais en garder 5 pour moi. Ça, j'en ai vu en magasin bio. Et ça coûtait 6,90 € une. Donc j'ai dit non, c'est trop cher. Il y en a sur Chine et tout. Donc, mais voilà, je voulais. Je les ai commandés sur Amazon. J'ai commandé ça et j'ai commandé encore une fois pour mon fils toujours. Je lui ai pris un robot. Alors, je vais vous montrer ça. Donc c'est un robot multi. Alors c'est de la marque. Roussel Hob, c'est une bonne marque, hein. Voilà, donc j'ai pris ça. Et dedans, vous avez un truc pour faire un petit bol pour hacher les oignons. Vous avez un truc pour faire battre les œufs en neige. Vous avez aussi ce machin, c'est pour. Ouais, je crois que c'est comme ça. Voilà, en fait, il faut accrocher ça là. Je crois que c'est comme ça. Enfin, on verra. Il y a aussi ça pour faire de la soupe. Voilà, c'était un tout en un. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Comment ça marche ce truc-là? Voilà. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et là, normalement, il n'y a pas un machin pour. Parce que c'est bien beau, ça, mais. Il n'y a pas. Dans le bol, il n'y a pas le truc pour la lame pour mixer. Ça va pas ça. Il manque, je crois qu'il manque un truc. Bon, si ça va pas, s'il manque quelque chose, de toute façon, je le renverrai, donc pas de problème. Ouais, faudra que je regarderai sur le site, mais j'ai l'impression qu'il manque une lame. Bon. Ah, bah écoutez, je vais lui donner deux petites étagères en métal que j'avais acheté chez Action. Et ouais, comme ça, il pourra ranger des choses dessus. Et donc, il faut que je débarrasse la petite étagère là. Et j'en ai une autre qui est en bas dans les toilettes. Donc, je vais la débarrasser aussi. Je lui en donnerai deux. Et je vais lui donner aussi une petite étagère en métal. Qui est dans ma chambre et je vais vous la donner aussi parce que ça lui servira aussi pour poser des choses dessus. Et ouais, vous voyez, c'est ça là. Moi j'avais envie de racheter une autre étagère comme celle-là là pour la mettre là. Donc celle-là, bah, je peux lui la donner. Voilà, bah, je vais faire ça et puis je vais ranger un petit peu et puis je vous retrouve après. Alors je vous reviens avec le produit que j'ai reçu de Amazon là. Déjà, regardez. J'ai même pas la boîte, le carton de la marque, parce que c'est un produit de la marque Roussel Hob. Et en plus, il manque des choses dedans. Et c'est, enfin, j'ai vérifié, il n'y a rien de. Il n'y a pas tous les articles. Donc, bah, écoutez, je vais le renvoyer, hein, parce que ça, ça ne me va pas du tout. Donc, sinon, bah, écoutez, je vais. J'ai pu faire plein de choses. J'ai bien vidé les placards. Dis donc, toi, tu peux sortir de là, s'il te plaît? Non, mais l'autre, ça y est, elle est sur le lit, tranquille. Attendez, j'essaie de retrouver ma perche. Je vais. Viens, Lily. Hop, attendez, j'ai mon ordinateur. Bertrand, il est super efficace parce qu'il est venu récupérer les trucs que j'ai déballés, enfin, les placards. Lily, viens. Cacou, viens. Bertrand est venu récupérer bien les cartons que j'ai fait et tout, donc c'est cool. Et là, je vais éteindre ça. Je vais juste prendre mon chargeur.
Hop. Et j'aimerais bien aller faire mon petit gâteau en bas. J'ai vu un gâteau avec du potimarron, un gâteau qui me plaisait vachement. Et du coup, j'avais envie de le faire. Hier, j'ai fait cuire un potimarron là pour récupérer le. J'espère que j'en ai assez par contre. On va voir. Et j'aimerais bien essayer de le faire. J'ai lavé la couette de mon fils, il faut que je l'étende parce que. Et il va falloir que je lave ses oreillers. J'ai du boulot, donc je vais essayer de faire ce gâteau là. J'espère que ce sera bon. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je luis parce que j'arrête pas de courir partout. J'ai allumé, vous voyez ça là. En fait, c'est un diffuseur de parfum de la marque Durance, mais j'ai rempli le produit de la marque que j'achète chez Action, que j'adore. Et là, j'ai changé de senteur, j'ai choisi la senteur. En fait, j'en ai plein de diffuseurs comme ça. Donc, du coup, je peux moduler au niveau des senteurs. Et j'ai choisi la senteur musc et ça sent trop, trop bon. Ça sent dans toute la maison. C'est un truc de fou, ce truc-là. C'est la première fois que je trouve un produit comme ça parce que je l'ai acheté de la marque. Je ne sais plus comment s'appelle cette marque-là, qui est connue, là. Mais j'aimais pas trop en fait, mais là ça sent vraiment très très bon. Je vous assure que ça sent super bon. Voilà, bon, allez, je vais me boire un truc. Il est 4h30. Je vais me boire à j'ai des boissons de chez Action. Là, il faudrait peut-être que j'en boive un petit peu. Et je vais faire mon gâteau et je vous en reparle plus tard. À tout à l'heure, bisous. Je suis en train de faire mon gâteau là et j'ai pile poil 150 grammes. C'est cool, trop cool. Et je suis en train d'utiliser la petite balance que j'ai. Je vais y mettre de l'huile de lin dessus pour protéger. Je suis trop contente, elle est trop mignonne. Je crois que l'année dernière, j'en avais fait des gâteaux comme ça que j'avais adoré. J'ai acheté chez Action des noix comme ça. Donc je vais faire ça. Et puis je pense que je vais plutôt faire des muffins. Je vais pas faire un gâteau, je vais faire des muffins. Vous voyez, ça fait une pâte comme ça, un peu orange. Je vais les faire dans mon air fryer. Je vais remplir les petits moules avec ça, on verra bien ce que ça donne. Écoutez, on va essayer. Je voulais faire plein de choses aujourd'hui et puis j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas fait tout ce que je voulais. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est à premier jet, comme on dit. Je vais faire à manger pour mon fils. Je vais voir ce que je peux lui faire à manger. Allez, écoutez, je vous montre quand j'aurai fini ce que ça donne. On verra si c'est bon ou pas. Allez, je vous laisse. À plus tard. Je suis en train d'utiliser la petite machine à riz. Je suis en train de mettre de l'eau dedans que j'ai reçue de Chine. Je vais mettre du sel. Vous voyez, je vais vous la montrer. C'est celle-là. Elle est assez simple à utiliser. Je trouve que, par contre, je m'excuse si on me voit mal, c'est que je suis à contre-jour. Un petit peu de sel. Hop, je ferme. Alors, menu, riz. Écoutez, on va voir si ça marche. Je vais le laisser comme ça. La notice n'est pas du tout en français, donc c'est un peu compliqué. Allez, moi je vais faire du thon pour mon fils avec des câpres. Ça a l'air de marcher. Apparemment, il faut 30 minutes pour faire le riz. Ça commence à sentir bon, donc c'est une bonne nouvelle. Je vais éplucher mes oignons. Bon, ça c'est une recette que je fais quand je suis pressée parce que là, vous voyez, je déteste cuisiner tard comme ça. Il est 5 heures et mon fils va arriver dans une heure, donc je n'aime pas cuisiner à la dernière minute, mais bon. Donc je vais faire cette petite recette que mon fils aime bien. C'est du thon avec des câpres. J'ai épluché un oignon que je vais faire revenir dans de l'huile d'olive. Et puis je vais mettre le thon dedans. Enfin, je vais faire revenir avec le... C'est très bon d'ailleurs comme recette. C'est de l'huile en boîte comme ça là. C'est du thon à l'huile que j'achète au Carrefour. Il a du goût assez. On achète toujours celui-là avec mon mari. Il faut juste que j'arrive à ouvrir. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu d'huile.
hop, dans la poêle. Le riz, il est en train de cuire, donc c'est cool. Donc, je vais couper mon oignon. Et moi, je vais manger. Hier, j'ai préparé des légumes dans mon air fryer. Aubergines, tomates, concombres, poivrons, voilà. C'est un plat que j'aime bien. Et je vais manger ça, moi. C'est tout. Allez, on va mettre ça dans la poêle. Et après, je vais rajouter le thon, des câpres et de la crème fraîche. Ouais, je vais goûter le thon. Je garde les bocaux parce que c'est très compliqué de se trouver des bocaux. On a fait des conserves avec ma soeur à un jardin. Et donc, elle nous a donné plein de tomates, elle nous a donné du potimarron et tout. Donc, on a fait des bocaux. Et en fait, dans les magasins, c'est hyper cher les bocaux. On a essayé d'en trouver aux mains ouvertes s'il n'y en avait pas. Maintenant, moi, je garde tous mes bocaux parce que c'est hyper difficile d'en avoir. Hop, je vais même rajouter le thon. Je vais mettre la tomate que mon mari a préparée, avec les tomates de ma soeur. Un peu de tomate. Je vais laisser un peu de sel. Je vais mettre un peu de poivre. Je vais mettre aussi dedans. Après, je vais mettre de la crème fraîche. Je vais pas mettre de cap parce que mon fils, je crois qu'il n'aime pas ça. Voilà, je vais laisser mijoter tranquille. J'ai mis ça à feu doux. Je vais nettoyer ma vaisselle. Voilà, je vais manger mes petits légumes. Je vais rajouter dedans, j'ai pas mis de sel, donc je vais mettre du gomasio. C'est un mélange, je vous en ai déjà parlé, de graines de sésame et il n'y a que 5% de sel dedans. Et dedans, par contre, là, je vais mettre du sésame grillé que j'avais acheté à la foire de Cournon. Voilà, bah, sinon mes petits muffins là, ils sont. Je viens de les sortir du. Voilà, ils sont bons, hein? Il faut juste qu'ils soient bons, tout simplement. Il me reste encore une petite tournée à faire et puis c'est bon. Là, je suis en train de me préparer une petite tisane. Je vais faire un thé matcha. Et puis, voilà, je vous souhaite un bon appétit. J'ai donné à manger à mes loulous. Et je mange tranquille, là. Mon fils va arriver après, donc j'aime bien manger tranquille. Il mangera après parce qu'il aime bien regarder ses vidéos pendant qu'il se détend, en fait. Et en plus, je ne sais même pas s'il va rentrer tout de suite parce que, comme Bertrand, il est dans son appartement en train de déménager. Je pense qu'il va l'accompagner. Je pense qu'en sortant du travail, il va aller directement là-bas. Donc, je ne pense pas qu'il va arriver tout de suite. Voilà, moi, je mange tout de suite parce qu'il est 5h30. Parce que, comme je n'ai pas mangé, j'ai juste mangé une petite tartine ce matin avec un tout petit peu de beurre et un tout petit peu de gomasio là-dedans. Et avec un café. Donc, je n'ai pas mangé depuis hier. Donc, j'ai commencé à avoir faim. Voilà, allez, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un bon appétit. Je vous ai posé sur mon petit porte-téléphone. Je voulais vous montrer, ça se présente comme ça. C'est encore chaud, mais c'est très très bon. J'ai mis deux fromages blancs, 0%. Ça sent la cannelle, moi j'adore ça. Très très bon. Voilà, c'est une recette que je referai avec plaisir. Bon, bah écoutez... Je suis en train de faire tourner une deuxième tournée là. Il me reste deux autres muffins à faire. Et je vais aller me démaquiller. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.